Cette petite vidéo explicative pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur qui s'intitule Réalité. C'est la notion de réalité, mais sous trois perspectives complètement différentes. Entre la France, la Martinique. J'ai initié avec deux écrivaines, chanteuses. Les mots ont une musique, les situations même dégagent une musique. La poésie devient l'outil privilégié. Grandiloquente, je suis d'elle, saisie, heurtée, déchiquetée par la langue vorace de l'Atlantique. C'est une première séance de travail, de débroussaillage, on va dire. Maintenant, chacune va repartir un peu plus fixée sur voilà, ce qu'elle a à faire, sa partie, et comment interagir avec les autres, que c'est différent que de travailler seule. Et voilà, je suis vraiment contente de participer à ce projet avec deux autres femmes de qualité. D'accord. Et Imanié, vous a pas trop fatiguée? Mais ça, je me suis appliquée. Hein. Ça, c'est bien. Quand la musique rend gay, quand la musique rend joyeux, je crois que c'est l'une des missions de la musique et notre expérience me rend très joyeuse. Je trouve que c'est formidable. Cette thématique de la réalité a été illustrée non seulement en musique, mais aussi en graphisme avec le concours L'œil avisé de Mayukono à Saitama au Japon. Pour vous offrir cet opus complètement atypique, très différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent.